بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، الحمد لله. Donc on continue nos dourous dans Ulum al-Balagha. Donc on est arrivé au chapitre de Majaz, un chapitre très important pour celui qui veut comprendre sa religion et apprécier sa religion, apprécier le Coran al-Karim, apprécier la Sunna du prophète al-Sallam. Donc ce chapitre, il a une importance au niveau scientifique et aussi au niveau de la purification de l'âme et de la spiritualité. Non. Et donc, on continue ces cours et on rappelle l'importance de la chose. Et donc, avant de commencer, donc, il y a un point qu'il faut préciser par rapport à ça, par rapport au Majaz, parce que bien évidemment, c'est un sujet sur lequel il y a certains divergent sur cela, en disant que attribuer le Majaz dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas bon pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, il y en a qui disent que le Majaz, c'est une sorte de mensonge. Le Majaz, c'est une sorte de mensonge. Et ça, on en reparlera. Il y a une réponse précise, là, je n'ai pas sous les yeux, mais on dira les paroles précises de l'ulama qui expliquent pourquoi le Majaz, ce n'est pas du mensonge, justement, parce que il y a un lien clair entre le sens propre et le sens figuré qui fait que et le sens propre devient impossible. C'est ça, on va voir aujourd'hui les conditions du Majaz. Alors que celui qui ment, il essaye de faire croire par tous les moyens que ce qu'il dit, c'est la vérité au sens propre. Non. Autre chose, c'est que ceux qui refusent le Majaz, sous certains aspects, ils ont raison de se méfier. Mais maintenant, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger les Asha'ira qui font le ta'wil, l'interprétation de certains, de certaines choses qui sont attribuées à Allah Azza wa Jalla dans le Coran de la Sunna, et deux sortes de groupes égarés. Deux sortes de groupes égarés, dont j'en ai parlé hier quand je parlais de ceux qui ne suivent pas d'école. C'est-à-dire, bon, bref, on a d'un côté les Shi'as. D'ailleurs, aujourd'hui, on est. D'ailleurs, aujourd'hui, on est. On est le 10 donc, de Ashura. Donc, c'est le jour où, même nous, d'habitude, le samedi, avec notre shir, on va toujours visiter Al-Hussein à sa mosquée. Mais là, samedi dernier, on n'a pas été parce que, comme on était le 8 de Ashura, et on sait que les chiites, ils vont venir s'attrouper là-bas, on commence à faire n'importe quoi. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Nous, on est attachés à Al-Hussein, Ali Salam, Alhamdulillah. Mais pas comme les chiites le sont dans l'exagération et dans le fait d'interpréter des versets, n'est-ce pas, justement, en faisant du majaz à tort et à travers, ce que nous, on n'accepte pas. Je pourrais vous montrer un livre ici que je vous montrerai, le Cheikh Kauthari, le nom qui m'avait échappé hier. Il a écrit des ouvrages qu'il a été obligé d'éditer de sa propre poche, parce que ceux qui écrivent, et depuis 200 ans, et qui ne sont pas wahhabotaïmistes, eh ben, ils n'ont pas de financement pour avoir leurs livres publiés. Donc, si vous voyez, si je vous montre l'aspect des livres, vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment basique. Bref. Et d'ailleurs, l'imam Razali, avant lui, a été le premier à dévoiler les égarements de ce qu'on appelle les batiniyya. Les batiniyya, c'est ceux qui... Ils prennent tous les versets dans un sens, comment dirais-je, on va dire majazi, hein, on va s'habituer à ce terme-là, à la place de dire sens figuré, je veux dire le sens majazi, on va s'habituer au terme. Il y a plein d'exemples, justement par rapport à Al-Hussein. Donc, notez ce que je vous dis, hein, des fois je passe un peu vite. Donc, Fath al-Batiniyya, donc l'imam Ghazali a écrit un livre sur le fait de dénoncer les égarements des Batiniyya qui prennent tous les versets au sens apparent alors qu'il y a des versets qui sont clairs, des Aqaïd. Et même Cheikh Kauthari aussi
a écrit sur cela. Des exemples donc. Et aussi, Cheikh El-Roumari a écrit un livre qui s'appelle Bida'a al-Tafasir. Harry, je suis encore là. Non. Qui s'appelle Bida'a al-Tafasir. Dedans, il réfute les Mu'tazila et il réfute aussi les Shi'a qui font des tafsirs à tort et à travers pour servir leur mazhab. Donc, des exemples. Par exemple, ça, c'est l'Oustaz Mahmoud Chafiri qui le cite dans son cours. Maraj al-Bahrain yattaqiyan, baynahuma barzakhun la yabghiyan. Bref, les versets qui n'ont rien à voir, ils vont dire ça s'il s'agit de Hussein alayhi salam, et des versets pour insulter Aïcha, radiallahu ta'ala anha, quand ils disent Inna al-Baqara tashabaha alayna, qu'Allah les rétribue comme il le mérite pour cette parole-là. Alors que ça n'a rien à voir. Déjà, ça c'est à l'époque de Béni Israël, Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle est venue bien après. Donc il n'y a même pas un lien d'époque, n'est-ce pas? Donc voilà, ça on ne l'accepte pas. D'accord? Et aussi d'un côté, on a les, on va dire les réformistes, ou certains Mu'tazila aussi, ou des gens que les cheikhs appellent appelle les Mithaqqafin, n'est-ce pas? Ceux qui se croient cultivés, plus intelligents que tout le monde, qui vont dire par exemple, lorsque Allah Azzawajal a dit Ya nar, kouni bardan wa salaman ala Ibrahim, ô le feu, soit paix et fraîcheur pour Ibrahim, ils ont dit, mais ce n'est pas possible, le feu, comment on peut parler au feu, comment tu peux dire au feu, deviens frais, deviens chaud, etc. Non, le feu brûle pour eux, hein. On a vu tout ça dans la Aqidah déjà. Et ils disent, non, 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 en fait, le feu, il s'agit de la colère de Nemrout. Ya naru, kouni bardan wa salam ala Ibrahim. Donc, en fait, il s'agit de la colère du Nemrout. Ça aussi, ce n'est pas acceptable. Et le cheikh, docteur Abdelkader Hussein, a répondu à une question qui a été posée. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le majaz dans les aqaïd? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le majaz dans l'aqida? Donc, cette question-là, ça dépend qui la pose. Ça peut être une question innocente pour quelqu'un qui veut apprendre, mais ça peut être une question de quelqu'un qui a déjà un objectif derrière cette question-là. Et en gros, comment il a répondu? Il a répondu, fil aqaïd, on a bien dit. Donc, les choses qui sont claires, comme par exemple les sept attributs de Ma'ani qu'on a cités dans les cours d'Aqida, Allahu Sami'un, Basirun, Allahu Hayyun, Allahu Muridun, Qadirun, Mutakallim, na'am. Les sept attributs, il n'y a pas de ta'wil dans ça. Huwa Sami'un, Basirun, Yatakallam, Huwa Hayy. Tous ces attributs-là, et tout ce qui est ma'loum min ad-din bid-darura, il n'y a pas besoin de faire, de se réfugier vers le sens figuré, majaz. Par contre, les versets qui pourraient amener à du tashbih, à faire ressembler Allah Azzawajal à ses créatures, les versets qui sont ambigus, bah, c'est les versets qui sont ambigus, on doit les ramener vers les versets qui sont clairs, qui sont muhkam. Et donc les versets qui sont ambigus, là, on les interprète et on dit que ils sont à comprendre au sens majazi, au sens figuré. Et c'est ça qu'on fait. Et on va voir maintenant, inshallah ta'ala, on va reprendre donc ce qu'on a dit hier. Donc, si, c'est tout ça on avait dit hier. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Salam alaykoum Mohamed. Ton iPhone là. Viens chez Samsung. Naam. Naam. Donc, on reprend ça, la baisse. En plus, c'est une version différente de ce qu'on a vu hier. El Majazu. Donc, ça, c'est une chose qui nous permet d'apprécier la beauté du Coran. Donc, ça, c'est une définition différente. C'est différent de ce qu'on a vu hier. Ici, il nous dit l'oratan ou masdarun mimi, ma'na al-mujawaza. Wa huwa at-tarku shay, Vraiment? wa huwa
At-tark li shay wal murur bihi. Donc le fait de passer par quelque chose. Jawastu, je suis passé, j'ai dépassé. Wa huwa wa jawastu al-masjid. J'ai dépassé la mosquée, je suis passé devant la mosquée et je l'ai dépassé. Rattuhu min khalfi, je l'ai laissé derrière moi. Wa istilahan huwa al-lafzu al-musta'malu fi ghayri al-ma'na al-haqiqi lahu fi al-lugha. Donc c'est le mot utilisé, c'est le mot qui n'est pas utilisé dans son véritable sens linguistique. Ma'a wujud qarina bayn al-ma'na al-haqiqi wa ma'na al-majazi, ça fait deux conditions, avec un lien entre le sens véritable et le sens majazi, al-ma'na al-haqiqi wa majazi, ma'a wujud qarina tamna' min irad al-ma'na al-haqiqi, avec la présence d'une qarina. Donc le qarina, comme on avait dit, c'est en fait une preuve, un dalil, qui nous prouve que le sens propre est impossible. Qui nous prouve que le sens propre est impossible. Donc on avait dit que le majaz a trois conditions. Premièrement, et on va voir chacune de ces trois conditions en détail, parce que si une de ces conditions n'est pas présente, alors ce n'est pas un majaz. An yustamala al-lafz fi ghayri ma'nahu al-asli fi al-lugha. Donc, on utilise le mot en dehors de son sens véritable. Ça, c'est la première condition. Donc, si c'est utilisé dans son sens véritable, bah, ce n'est plus un majaz. Mais on va voir bah, qu'est-ce qui permet de savoir que ce n'est pas le sens véritable. C'est le qarina. Si tu dis « j'ai tué un lion », c'est possible que ce soit dans le sens véritable. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que ce n'est pas le sens véritable? C'est « al-qarina ». On va voir les détails sur le qarina. D'accord? La qarina peut être, le dalil en fait, la preuve que ce n'est pas le sens véritable, ça peut être un mot et ça peut être la situation. D'accord? Deuxième condition du majaz, « an yakuna hunaka alaqa bayna al-ma'na al-asli wa bayna al-ma'na al-majazi al-jadid ». Donc il faut qu'il y ait un lien entre les deux. D'accord? Comme on a dit, la main, c'est il y a un lien entre la main et la générosité. Il y a un lien entre la main et la force. Là je viens de lire, Cheikh Yousri, il a écrit un livre qui parle de tous les attributs justement qui... Ben, ça, c'est des attributs qui sont ambigus, d'accord, par rapport à l'yed, par exemple. Et ça, le pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ramenant que le tafsir des prédécesseurs. Et... il nous montre qu'effectivement, la main, dans la parole des Arabes, et c'est une évidence pour tout le monde, il y a un lien entre la main et la générosité, entre la main et la force. Et ce qui est voulu, quand Allah il dit, quand il attribue la main à lui-même, c'est, en général, c'est ça. Soit c'est la générosité, soit c'est la puissance, elle pourra. Et l'oustaz lui-même qui a écrit ce tableau, qui est un salafi, il dit que lorsque Allah nous dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains ?»« Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya » Ils disent, donc comme on a dit, pour dire que c'est majaz, il faut un dalil qui le fait passer du sens propre au sens figuré. Et ils disent que les Ash'ari n'ont aucun dalil. D'accord? Donc, on a les Batiniyya d'un côté que nous-mêmes, on réfute. Ceux qui mettent du majaz n'importe comment, ça, on refuse. Les réformistes, comment on appelle ça, là, les pseudo-intellectuels qui ne voient que les choses visibles et qui ne peuvent pas comprendre que le feu est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là aussi, on les rejette. Maintenant, il reste nous. Les Ash'ara qui utilisons le majaz, mais avec ilm et avec des règles. Et donc, il dit, mais ils n'ont aucun dalil pour prouver que, quand Allah dit, celui que j'ai créé avec mes deux mains, ça ne veut pas dire le sens véritable. Premièrement, ils disent parce qu'il y a le Mufanna. Donc, il n'y a pas deux Qudra. Et oui, effectivement, nous, on dit que Allah a une seule Qudra.
Mais ce oustaz, qui lui-même est très, 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 très fort en langue arabe et qui connaît très bien la parole des Arabes, parce qu'il nous a enseigné Elfi ibn Malik avec le Sharh de Ibn Aqil, et dedans, à chaque fois, on citait des vers de poésie pour argumenter chaque question de conjugaison. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien la langue des Arabes et il sait très bien que en arabe, lorsqu'on utilise le musanna, ça ne veut pas nécessairement dire que on veut parler de quelque chose de pluriel, ni de duel. D'accord? Ça, dans la langue arabe, c'est clair et net. C'est la première chose. Deuxième chose, l'imam Razi, je viens de le lire à l'instant, ça m'est revenu, il dit, si jamais le fait que Allah Azzawajal ait créé Adam de ses deux mains, c'était vraiment ça qui fait que Adam a une plus-value sur les autres, dans ce cas-là, les bétails et les animaux devraient avoir encore plus de plus-value que Adam. Parce que Allah, dans le Coran, il n'a pas dit qu'il a créé les animaux avec ses deux mains, il a dit Aïdina dans Sourate Yassine. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikoun. Ne voit-il pas que nous avons créé pour eux avec nos mains, plusieurs mains, 3, 4, 5, je ne sais pas. Comme la Hamalikou. Je sais ce qu'ils vont dire, parce que je connais leurs arguments. Ah non, 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 mais ce verset-là de Sourate Yassine, Laysat min ayat sifat. Ce ne fait pas partie des versets par lesquels on donne des attributs à Allah Azzawajal. Ce ne sont pas des versets des attributs. Allah. On appelle ça du tahakkum. Pourquoi? Qui a décrété comme ça? Qui a décrété cela? C'est pas du jeu, ça. D'accord? Bref, en tout cas, voilà la réponse. Et de toute façon, même Mujahid, les mufassirin parmi les tabi'in, ont dit à plusieurs reprises au niveau de la main que Eliyad, ça veut dire le pouvoir. D'accord? Wassama abaynaïna bi'aïd. Ils sont tous unanimes pour dire bi'aïd. Nous avons créé avec nos mains, avec nos mains, aïd, c'est le pouvoir. Bon, sur ce verset-là, ils vont dire oui, mais là, c'est pas aid, c'est pas, il n'a pas attribué à lui-même. D'accord? Mais si on prend un verset attribué à Daoud, Wazkur fi kitabina, je sais plus comment, Daoud, Daoud ou Yaqub, Ulil aidi wal absar, ceux qui sont doués de mains, Ulil aidi, ceux qui ont des mains. Oui, ils ont des mains, mais, oui, mais ça veut dire qu'ils ont une force dans l'adoration. Et plein, plein, plein. Franchement, en vérité, la réalité, c'est que c'est même pas des choses sur lesquelles on devrait discuter. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on vient de m'envoyer, enfin, un frère a partagé des paroles, comment dirais-je? En fait, d'un cheikh, je vais citer son nom et je vais citer le livre, comme ça vous pourrez revenir à ça. Un livre qui s'appelle Sharh Nawaqid al-Islam. C'est l'explication d'un livre de Cheikh Ibn Abdul Wahhab, écrit par un Cheikh qui s'appelle Khalid Ibn Ali Al-Mardi Al-Ghamidi, qui était khatib à la mosquée de la Mecque pendant un temps. Et là, il s'est fait, là, il est en prison, arrêté par MBS, avec beaucoup de prédicateurs wahhabis, depuis qu'il a été depuis qu'il est au pouvoir. Mais bref, donc lui, il te dit que As-Suyuti, El-Jazouli, celui qui a créé Dalaïl al-Khayrat, As-Sanoussi, celui qui a écrit le livre qu'on a expliqué dans l'Aqidah, tous, 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 eux, ce sont des imams du shirk. Voilà. Au moins, eux, ils sont, lui, il est clair. D'accord? C'est-à-dire que tous les imams de la religion, ce sont des imams du shirk. Georgiani, tout ce que tu veux. Donc maintenant, on est en face de quelque chose qui est assez grave, en fait. D'accord? De quelque chose qui est assez grave, de contrevenir à toutes les règles scientifiques, et ça aboutit sur contrevenir à la aqida correcte et attribuer à Allah Azzawajal ce qui ne nous convient pas, tout simplement parce que on ne comprend pas ni les règles de la logique, ni les règles de la langue arabe, ni les règles de ça, les ilm al-bayan dans lequel on est. D'accord? Donc, elle. Deuxième condition, an yakuna hunaka alaqa. Troisième condition, an yakuna hunaka qarina tubayyinu anna al-maqsoud huwa al-ma'na al-majazi la al-haqiqi. Donc on avait cité les exemples. Les quatre premiers exemples ici,
C'est donc on va voir les deux différentes sortes de nagelles. Donc j'ai serré la main à un lion. Ma voiture est un éclair, on va dire. Fatima a mis au monde une lune et le soldat rugit dans le combat. D'accord? Safahtu Asadan, laqad rakibtu Barqan, Walidat Fatima Qamaran, Yaz'aru al-Jundi al-Ma'raqa. Yaz'aru. Al-Za'ir, ça veut dire celui qui rugit. Pensez aux Zaïrois. Le ciel a fait couler, a fait tomber des plantes. Les chameaux ont mangé de la pluie. Et demande à la ville. C'est-à-dire que dans Sourate Youssouf, les frères de Youssouf, lorsqu'il y a la deuxième fois où maintenant c'est Benyamin qui a été pris, ils ont dit au père, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Tu demandes à la ville dans laquelle on était et demande à la caravane, au groupe dans lequel on était. Mais on ne peut pas demander à une ville, on ne peut pas demander à une ville. Donc on va voir, ça s'appelle du majeste parce que c'est impossible que tu parles à une ville. Donc, pour revenir sur les conditions, إذا فقد أحد هذه الشروط فالحكم كآتي. Donc, s'il y a une des trois conditions qui n'est plus, alors ce n'est plus un majaz. Premièrement, que le mot soit utilisé non pas dans son sens initial. Deuxièmement, qu'il y ait un lien, il faut un lien entre les deux. Troisièmement, il faut un dalil qui prouve que le sens propre est impossible. Premièrement, إذا كانت اللفظ مستعملا بمعناه الحقيقي المعروف في اللغة فليس ذلك مجازا بل حقيقي. Donc, si le mot est utilisé dans son vrai sens, alors ce n'est pas un majaz. Si tu dis j'ai tué un lion, c'est possible. C'est possible que tu aies tué un lion. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un majaz. قتل زيد أسدا. نعم. Mais si par contre, tu as voulu. Attends, ok, ça c'est bon. Il a lam yakun hunaka alaqa. Maintenant, s'il n'y a pas de lien entre le sens propre et le sens majazi, alors dans ce cas-là, ce n'est pas un majaz. Mais si jamais tu as voulu faire un majaz, donc ça reste un majaz, mais c'est un majaz bidon. D'accord? Excusez-moi l'expression. C'est un majaz qui est, comme on a vu dans les premiers cours, de le fasaha, il n'y a pas de fasaha. Parce que soit c'est taqid ma'nawi, c'est quelque chose, tu as voulu donner un sens, mais qui est trop compliqué à comprendre, donc ce n'est pas éloquent. C'est comme une blague. Quand tu fais une blague, il faut que la personne à qui tu fais cette blague, elle comprenne tout de suite. Ce n'est pas, il faut qu'elle réfléchisse, tu n'as pas compris. Non, mais ce n'est pas bon. Si tu fais un spectacle humoristique et que tu fais une blague et que les gens ne comprennent pas ta blague tout de suite, ce n'est pas bon. Il faut que les gens comprennent tout de suite. D'accord? Donc là, comme on avait expliqué dans les premiers cours, parmi les taqid ma'nawi, la complication dans le sens de ta phrase, tu as fait une complication dans le sens de ta phrase, c'est le fait de mettre des majazet et des kinayet qui ne sont pas clairs. Par exemple, tu dis, j'ai serré la main à un lion, mais tu voulais dire par là, un homme peureux. Subhanallah, c'est un majaz, c'est un majaz bidon. D'accord? Parce que où est le rapport entre un homme peureux et un lion? Il n'y a pas de rapport. Donc, tu as mal, tu as flopé, quoi. إذا لم يكن هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فهذا المجاز معيب. معيب, ça veut dire il est naze, quoi. ويدخل في عيوب الفصاحة والكلام تحت عيب يسمى تعقيد معنوي. Voilà. Donc, ça, c'est. On a vu les deux premières conditions et on va voir la troisième, le Karina. Et là, ce n'est pas ça.
C'est ici. Donc ici, troisième chose, le qarina. Idha lam yakun fil kalam qarina tubayyin anna al maqsoud huwa al ma'na al majazi fal kalam yakun haqiqa. S'il n'y a pas de preuve, donc ce sera non, au sens propre. Laqad qataltu asadan, j'ai tué un lion. Maintenant, comment on va savoir c'est quoi les preuves? Donc maintenant, on va voir le qarina. C'est quoi les qara'in? Ce qu'on appelle qara'in. D'accord? Regardez, je vais vous donner la définition. Alors, un réflexe pour les toulab al-ilm, c'est à l'envers, c'est ta'rifat al-jurjani. Jurjani, un cheikh ash'ari, parce que voilà, la plupart des. Quand on veut étudier la science, on va être obligé de passer par eux. Donc, ils nous donnent les définitions de tous les termes scientifiques de la religion. Al-qarina, juste histoire de savoir. Ici, comme il nous dit, imma haliya, ou ma'nawiya, ou lafziya. Soit la qarina, elle est dans la situation, comme on va voir tout de suite, soit dans le sens, soit dans le mot. Regardez ici, il va donner un exemple avec une phrase, et le i'rab, yani l'étude grammaticale est impossible, on ne peut pas savoir. Écoutez, daraba Moussa Isa, daraba Moussa Isa. Donc on ne sait pas qui a tapé l'autre. Parce que on peut dire daraba Zaydun Amran, mais on peut dire aussi daraba Amran Zaydun. C'est possible. Donc, si tu dis daraba Zaydun Amran, c'est Zaydun qui a tapé Amr ou Zaydun Omaran. Peu importe. Daraba Zaydun Omaran, c'est Zayd qui a tapé Omar. Mais si je dis daraba Omaran Zaydun, ou bien si je daraba. En fait, tu ne peux pas savoir. Parce que quand tu dis daraba Moussa Issa, comme la haraka n'apparaît pas, tu ne peux pas savoir s'il y a eu un échange. Tu ne sais pas si c'est daraba Zayd, daraba Moussa Issa. Tu ne sais pas si Moussa c'est fa'il ou bien maf'ul bihi, tu ne sais pas. D'accord? Et comme ce sont deux prénoms d'hommes, et ben, y a pas de raison que ce soit un qui tape l'autre ou l'autre qui tape l'autre. Non. J'allais dire que Moussa alayhi salam, comme on sait, c'est on appelle ça le tempérament Moussaoui, c'est Omar ibn Khattab. Moussa alayhi salam, c'est plus le tempérament de Omar ibn Khattab. Et Isa alayhi salam, c'est plus le tempérament de Abu Bakr Siddiq ou bien plus Othman ibn Affan. D'accord? Et tous, ils sont bien. Mais bon, là, ce serait une qarina haliya. Si on sait que Moussa, il est plus un tempérament dur, et que Isa a plus un tempérament doux, donc là, c'est le hal qui va nous permettre de savoir que c'est Moussa qui aurait frappé Isa. Naam. Wadaraba man fid dari man ala sath. Donc, tu peux pas savoir au niveau du i'rab, parce que c'est man fid dar, c'est jar wa majrur, donc tu peux pas savoir le mahal. نعم فإن الإعراب والقرينة منتف فيه بخلاف par contre si je dis ضرب موسى حبلى موسى a tapé حبلى حبلى qui est un prénom de fille donc là vraisemblablement ce sera موسى qui a frappé cette fille وأكل موسى الكمثرى et موسى a mangé la poire donc là une poire c'est fait pour être mangée donc c'est pas la poire qui va manger موسى فإن الإعراب والقرينة منتف فيه بخلاف ضربت موسى الحبلى. Écoutez ça. ضربت موسى الحبلى. ضربت. Donc quand tu dis ضربت, il y a une قرينة لفظية parce qu'il y a تأنيث. Donc là, on sait que c'est la fille qui a tapé. C'est la fille qui s'appelle حبلى qui a tapé موسى parce qu'il y a écrit ضربت. Et si tu dis أكل موسى الكمثرى. نعم دونك فان الاول القرينه اللفظيه دونك دون البروميير لو دليل il est au niveau du mot et le deuxième le dalil est au niveau du hal donc ça c'est la définition de قرينه et en général la قرينه voilà c'est elle est comme ça donc il y a deux types de قرينه ici soit لفظيه تكون لفظا كالامثله السابقه quand tu dis صفحت اسدا ركبت Barqan, walidat li Fatima qamaran. Donc le fait de dire j'ai serré la main à un lion, mais c'est impossible de serrer la main à un lion. J'ai conduit un éclair.
tu peux pas conduire un éclair. Et Fatima a donné, a mis au monde une lune. Tu ne peux pas donner au monde une lune. Donc là, si on revient sur les Wahhabotémistes, ils vont dire, bah, Allah a une main véritable, mais le comment, on ne sait pas. Ben, c'est comme ici, si je te disais, j'ai serré la main d'un lion. Oui, c'est l'essence véritable, mais comment? Je ne sais pas. Tu te débrouilles. J'ai conduit un éclair. C'est au sens propre, c'est au sens propre apparent. Mais comment tu fais pour conduire un éclair? Ah, je ne sais pas. Kefia, tu te débrouilles. On te laisse te débrouiller avec ça. Fatima a mis au monde une lune. Comment ça, t'as mis au monde de la lune? Une lune? Oui, c'est ouais, débrouille-toi. D'accord? Al-Kifiyya n'a pas. Parce qu'ils vont dire ça avec la main d'Allah, azawajal, avec les yeux d'Allah. On attribue à Allah un œil véritable. Il a dit véritable. Mais le comment, on ne sait pas. Débrouille-toi. Non. Nous, on dit non. Ce n'est pas du tout un œil au sens véritable. C'est parce que le sens propre est impossible. Et le dalil, ce n'est pas que le raqq, c'est comme on a dit, c'est les autres versets du Coran qui nous disent, laisa kamithlihi shay, nul n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils vont te dire, est-ce que Allah n'était pas capable de dire directement des versets qui ne sont pas ambigus? On dirait, bah, justement, c'est comme ça que les Arabes parlaient, et c'est comme ça, c'est ça l'ilm al-bayan, c'est le fait de dire la même chose de différentes manières. Parce que si tu dis d'une seule manière, ben, ce serait pas, yani, ce serait moins beau. D'accord? Et ben, tout simplement. Parce que ça, ilm al-bayan, c'est le fait de dire la même chose de différentes manières. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qui t'empêche, le verset qui dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Même un roi de ce bas monde ne fait pas cela. C'est-à-dire que quand il veut faire quelque chose, il ordonne à ses hommes de le faire. C'est pas lui de lui-même qui va aller prendre des briques et aller construire. Quand tu dis Ban al-Amiru al-Madinata, l'amir a construit la ville. Est-ce que c'est lui qui était avec les ouvriers? Non. Il n'est pas comme le prophète al-Salam qui lui, il travaillait avec les autres. Parce que lui, ce n'est pas comme les rois, sallallahu alayhi wa sallam, de Dounia. D'accord? Et même quand Pharaon, il a dit, Ya Haman, ibnili sarhan. Il a dit, Ya Haman, construis-moi une tour pour que j'aille monter auprès du Seigneur de Moussa. Déjà, premièrement, ce n'est pas Haman qui a construit. C'est Haman, c'est l'ingénieur, il a dit aux gens de construire. Et puis, si on parle du fait de monter dans les cieux pour être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben ça c'est la aqida de Firaun, et c'est pas la aqida des musulmans, non? Parce que c'est pas quand tu es en haut d'une montagne, tu n'es pas spécialement plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallam a dit, là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'on est prosterné. Et Yunus alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, dans les ténèbres de la baleine, dans les ténèbres de la mer et de la nuit, il était aussi proche d'Allah Azzawajal que le prophète Aïssatou lorsqu'il était au Sidratil Muntaha et qu'il était à la distance de jets d'arc. Ils étaient tout aussi proches l'un de l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça la raqida des musulmans. Donc, le fait d'utiliser ces mots, rien que le fait d'utiliser ces mots-là, eh bien, c'est une qarina, c'est un dalil. Donc, tous les mots, vous pouvez mettre tous les mots, istawa, el-yad, el-saq, etc., etc. Tout ça, le simple fait qu'Allah utilise ces mots, c'est un dalil que ce ne peut pas être attribué à Allah Azzawajal. Non. Donc, c'est qarina lafziya. Ou bien qarina ma'nawiya. Ici, qarina ma'nawiya, la takun lafzan. Donc, c'est soit el-maqam, soit istihala, el-haqiqa, soit c'est impossible. Et le cheikh lui-même, il dit que, de toute façon, le majaz, c'est toujours quand il y a une impossibilité. Et ça revient à nos cours de Aqidah, istihal al-aqli. Istihal al-aqli. La mahala, hiya al-wujubu, thumma l'istihala, thumma ja'izu, thalithu al-aqsami, fafham, munihta, ladhat al-afham. Comme il dit, Ad-Dardir, radiyallahu anhu. Il dit, le aql, il y a trois. Il y a trois règles par rapport au aql.
soit les choses obligatoires, soit les choses impossibles, soit les choses permises. Et le majaz est toujours lié aux choses qui sont impossibles. Non. Donc ici, il y a le maqam. Faqad taqul, laqad qataltu asadan. Tu peux dire j'ai tué un lion, mais jusqu'à présent, au niveau du terme, on ne peut pas savoir. Et effectivement, il faut le dire, la base, c'est qu'on doit prendre les paroles au sens propre. Et on n'a pas le droit de basculer vers le sens majazi figuré qu'avec un dalil. Qu'avec un dalil. Et nous, nos dalils, c'est le Coran, c'est la Sunna, c'est les paroles des salafs, en commençant par les Sahaba, les tabi'in, et le aql qui confirme tout cela. D'accord? Et on a plein de paroles des Sahaba eux-mêmes qui ont interprété des versets. On en a déjà parlé plusieurs fois, plein, 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 plein. D'accord? Comme Saq, par exemple, le pied d'Allah Azzawajal, yawma et bien, Ibn Abbas a dit, Ashidda, c'est la dureté, la guerre, etc. Non. Donc, ici, le maqam, j'ai tué un lion. Il se peut que ce soit vrai. Et à la base, on te doit de prendre les choses au sens véritable. Mais après, comme je vous ai dit, des fois, quelqu'un qui est soit un enfant ou soit quelqu'un qui n'est pas très intelligent, ben toi, tu vas parler avec un sens imagé. Et la personne va dire, ah bon, tu vois, c'est, je ne sais pas quel exemple donner, mais la personne, tu vas le prendre pour un imbécile. Tu vois, je ne sais pas quel exemple je pourrais donner. Je ne sais pas, il a fait main basse sur tout l'argent. Et puis la personne va se focaliser sur la main basse. La main basse, non, il a fait main basse, ça veut dire qu'il a volé l'argent, etc. Tu vois. Et comme l'expression est dit, l'intelligent, lorsqu'on lui montre la lune, l'intelligence, tu lui montres la lune, toi, il regarde la lune. Et l'idiot, ben, il va regarder le doigt. Tu vois? Dieu, il va regarder quoi? Le doigt. C'est comme, par exemple, on donne un exemple, tu vois, une fille qui n'est pas du tout romantique, tu vois, qui n'a pas du tout de zorg, tu vois, qui. Tu es là, bon, disons que tu es marié avec elle la première nuit, et puis tu regardes la lune comme ça, et tu dis, tu dis à ta femme, là, que tu viens d'épouser, tu dis, tu vois la lune là? Et elle va te répondre, bah, je ne suis pas aveugle, je la vois la lune. Tu vois? Non, en fait, il voulait faire une instruction, tu dis, tu vois la lune? Bah, en fait, toi, tu es aussi belle que la lune, tu vois? Il n'a même pas laissé terminer parce que tu vois, les gens, ils n'ont aucune poésie, rien. Tu vois? Et c'est ça le problème. Bref. Laqad qataltu asadan. Wal maqam yadullu ala anna yaqsudu rajulan shuja'an. Wa dhalika idha wujida al-qatil rajulan. Maintenant, si tu vois que la personne qui est morte, c'est un homme courageux, très fort, alors là, tu comprends qu'il ne voulait pas dire un vrai lion. Non. Istihala al-haqiqa, kaqawlihi subhanahu, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Et l'impossibilité, c'est comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Mais regardez, ici, mon doigt. C'est d'ici jusqu'à là. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans mon oreille? C'est que le bout de mon doigt, ce n'est pas tout mon doigt. D'accord? Mais on a dit le doigt. Donc, c'est un majaz. D'accord? Parce que c'est impossible de mettre tout le doigt dans l'oreille. Donc, ça, c'est un exemple. Parce que c'est impossible. Donc, cette impossibilité-là, elle est décrétée par j'ai envie de dire par les cinq sens, en fait. Des fois, c'est tes yeux qui te disent, ben, c'est impossible. Les choses, elles sont visibles par les sens, parce que tu vois, parce que tu entends, parce que tu ressens, et aussi par le aql aussi. Le aql, encore une fois, on le répète, c'est pas Allah Azzawajal nous a donné le aql. Justement, c'est pour faire la différence entre le vrai et le faux, etc. Bien entendu, à sa limite, qui est la révélation, mais le aql nous permet de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, de juger les choses. D'accord? C'est fait pour ça. Non. Le aql, il est fait justement pour ça. Donc ici, on va terminer. On va introduire le prochain cours. Donc, comme on l'avait déjà dit, donc
تنقسم العلاقة في المجاز إلى قسمين. Donc, le majaz, donc il va avoir plusieurs aspects. Là maintenant, on va voir l'aspect du lien entre le sens propre et le sens figuré. Le lien entre le sens propre et le sens figuré, vous vous souvenez, il y a trois conditions pour le majaz. Parmi ces conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre le sens propre et le sens figuré. Je me répète, comme il y a un lien entre la main, le sens propre de la main et la générosité, on a cité des exemples hier, d'accord ? Comme Allah dit, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ. Ne laisse pas ta main bloquée sur ton cou. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Et ne la déploie pas trop non plus. Il a dit ta main. Mais il veut dire par là ta façon de dépenser ton argent. Et les Juifs, ils ont dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً. Les Juifs ont dit, la main d'Allah, ils ont dit la même chose, elle est bloquée. Ils veulent dire par là que Allah Azza wa Jal n'est pas généreux. Subhanallah. Naam. Et Allah a répondu, Rullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Que leurs mains à eux soient bloquées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit, mais plutôt les deux mains d'Allah sont ouvertes. Et on a dit, les deux mains, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est plusieurs dans la langue arabe, d'accord ? Mais en général, quand tu donnes quelque chose, si tu donnes à deux mains, ça veut dire que tu donnes avec encore plus de... Naam. Allahu Akbar. Naam. Donc, c'est ça. Donc, baliyadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Mais eux, ils vont te dire que là, oui, non, ce n'est pas un problème. Là, on est d'accord. Ici, c'est un kinaya. Parce qu'on va voir après une autre forme de majaz qui est kinaya. C'est que ce n'est pas que le sens propre est impossible. Le sens propre est possible, mais ce n'est pas le sens propre qui est voulu. Mais il est possible. Alors que dans le majaz, le sens propre est proprement impossible. Parce que eux, pour eux, c'est possible car Allah est une main véritable pour eux. Donc, écoutez bien. Il y a au niveau du lien entre le sens propre et le sens figuré, il y a deux sortes de liens. Soit le lien, c'est la ressemblance. Entre le sens propre et le sens figuré, il y a une ressemblance. Soit ce n'est pas une ressemblance. D'accord ? Donc, essayez de faire le lien, en fait, parce que le problème, souvent, et le oustaz qui nous a enseigné cette science-là, c'est qu'il enseigne, mais souvent, il ne fait pas le lien entre les termes qu'il utilise et qu'il enseigne et les termes qu'il y a dans l'aqida et dans d'autres domaines. El-mushabaha. El-mushabaha, c'est ce qu'il est formellement interdit de faire avec entre les créatures et Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas faire de ressemblance entre Allah et les créatures. Or quand Allah il emploie le mot main, il emploie le mot yeux, il emploie le mot pied, il emploie le mot istiwa, si c'est le sens de istiwa, parce que istiwa, c'est aussi attribuable aux créatures. Allah, il dit dans le surah Zukhruf, je crois, « Litarkabu ala vuhurihi » ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Donc Allah nous dit, Allah nous a soumis des bétails pour qu'on puisse monter dessus et qu'on évoque le nom d'Allah Azza wa Jal, qu'on le remercie. Faire la doa de Rukub, Ida stawaitum alay, lorsqu'on s'est installé dessus. Donc, le fait de s'installer, donc, c'est, en fait, quand tu dis istawa, c'est un tashbih, comme l'être humain monte sur un cheval. Donc, quand tu dis istawa ala al-arsh, automatiquement, il y a un tashbih, al-alaqa, al-tashbih. Parce que tu pourrais faire un tashbih avec cette même phrase. Thumma stawa ala al-arsh, par exemple, kama yastawi insan ala al-himar, ala rukubihi. La même chose. Il s'est installé sur le trône comme un être humain s'installe sur un âne ou comme un roi s'installe sur son trône. On pourrait faire un tashbih. Donc, comme il y a un tashbih et que c'est interdit, on dit non, c'est majaz. Le sens propre est impossible. D'accord ? Parce que c'est du tashbih, puisque c'est ça qui est écrit ici.
بين المعنى الحقيقي والمجازي، أي يمكن أن نصنع من المعنى المجازي والمعنى الحقيقي معا تشبيها، كالأمثلة الثلاثة الأولى، مثلا ركبت برقا، quand tu dis j'ai conduit un éclair, j'ai conduit un éclair, ça veut dire quoi؟ أي حصانا سريعا، فيقال حصان السريع كالبرق. Donc j'ai conduit un cheval rapide comme l'éclair. Rapide comme l'éclair, parce que le mot éclair, c'est relatif à la rapidité. Donc un cheval rapide comme l'éclair. Donc quand tu dis stawa al arsh, bah, ça évoque un roi aussi qui s'installe sur son trône et qui devient le roi, tout simplement. Non. Donc alaka mushabaha. Et ça s'appelle istiara. Ça s'appelle istiara. Et on a dit istiara, c'est le fait d'emprunter un mot dans un champ lexical et de le mettre dans un autre. Le trône, l'installation sur le trône, c'est le champ lexical de la royauté. C'est un roi qui s'installe sur le trône, c'est le symbole de quelqu'un qui prend le pouvoir ou qui a le pouvoir. Non. Et ainsi de suite. Et deuxièmement, على غير المشابهة أي لا يمكن أن نصنع من المعنى المجازي والمعنى الحقيقي تشبيها. Là, on ne peut pas faire de tashbih entre les deux. Donc, les trois derniers exemples. Comme, par exemple, demande à la ville. Demande à la ville. Tu ne peux pas demander à la ville et tu ne peux pas dire... comment dire ? Par exemple, on va donner un autre exemple. Quand tu dis le chameau a mangé la pluie. Tu ne peux pas dire le chameau est comme la pluie. Ou alors, tu peux pas dire « la pluie est comme les plantes ». Parce que quand il dit « le chameau a mangé la pluie », en fait, on veut dire « le chameau a mangé les plantes » parce que la pluie, c'est le sebeb des plantes. Et les plantes, c'est le moussabeb, c'est le résultat de la pluie. D'accord ? On va voir ça, c'est les majal moussal, il y a aussi plein de sortes. Et ce qu'on va parler par rapport au sebeb, soit par rapport au moussabeb, soit par rapport à l'endroit, etc. D'accord ? C'est le type de relation entre le sens propre et le sens figuré. Donc, les relations entre le sens propre et le sens figuré, ça peut être la ressemblance. Et ici, alors on va voir, il y a plein de sortes. Des relations entre le sens propre et le sens figuré, ça peut ne pas être la ressemblance, mais il y a aussi plein de sortes, d'accord, qu'on va voir. Donc, c'est un petit peu technique, mais voilà quoi. On est là pour apprendre. On n'est pas là pour bavarder. Hein, on attend de regarder des matchs de foot, regarder les potins, regarder des choses qui ne sont pas très utiles. Mais quand il s'agit d'étudier, les gens, ils n'ont plus le temps, ça devient très difficile. Alors que les gens sont très intelligents. Quand il s'agit de faire des business, compter leur argent, là, les gens comprennent très vite. Mais quand c'est les rimes, ils ne comprennent plus. Donc, أي النبات فلا يقال النبات كالمطر. On ne peut pas dire les plantes sont comme la pluie. Non. Ils sont pas, il n'y a pas de ressemblance. Il y a un lien de cause à effet, mais il n'y a pas un lien de ressemblance. Non. Donc, إذا كانت العلاقة في المجاز علاقة مشابهة فهذا المجاز يسمى استعارة. Et c'est ça qu'on peut dire au niveau de, par exemple, بيده الملك, etc. C'est استعارة. Comme je dis, quand on étudie la science, il faut que là, on puisse la mettre en pratique. Hein, quand on avait étudié dans l'Aqida, on avait dit que certains versets qui pourrait ramener vers du tashbih, faire ressembler Allah à ses créatures, en réalité, c'est du istihara, c'est du majaz, etc. Non. وَإِذَا كَانَ الْعَلَاقَ بَيْنَ الْمُشَابَهَ فَهُوَ يُسَمَّ مَجَازْ مُرْسَلْ الَّذِي إِذَنْ لِذَلِكَ نَقُولْ يَنْقَسِمُ الْمَجَازْ مِنْ حَيْثُ نُوعُ الْعَلَاقَ فِيهِ إِلَى قِسْمَيْنِ الْإِسْتِعَارَ وَالْمَجَازْ الْمُرْسَلْ. Donc, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, on va expliquer ce que c'est. Donc, on va rentrer dans istiara avec les différentes sortes de istiara. Donc, ça va être un tout petit peu technique, mais c'est important de connaître ces choses-là, d'accord? Et c'est très important, et même pour ceux qui font des bayennes dans le tablir, le khourouj, c'est bien d'expliquer ces choses-là. Ça fait découvrir aux gens vraiment la beauté du Coran, ça rentre dans les profondeurs, ça touche encore plus le cœur lorsqu'on on comprend des choses comme cela. Donc, je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala.
On a fait 50 minutes, alhamdoulillah. C'est largement suffisant. Donc, ceux qui suivent sur YouTube ou même ceux qui suivent sur Facebook, n'hésitez pas à faire des commentaires. Vous savez bien que quand vous faites des commentaires, ça permet que le contenu soit plus propagé. D'accord? N'hésitez pas à partager si ça vous semble utile. D'accord? C'est ouvert pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà, mettez des pouces. Voilà, c'est des trucs de youtubeurs, mais c'est des trucs qui font. Ça permet de plus propager les paroles utiles, inshallah ta'ala. Parce que tout ce que je dis là par rapport aux sujets qui sont liés à la aqida, c'est vraiment très, très important. Donc, voilà quoi. Donc, voilà. Donc, inshallah, je vous laisse. Alors, je n'ai pas mon livre là. Donc, c'est pas grave. Allez. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد كمال الله وكما يليق بكماله صلى الله عليه وسلم. Donc voilà. Et puis voilà, hein, donc aujourd'hui c'est Ashura. J'espère que voilà, ceux qui ont jeûné, qu'Allah l'accepte. Alors je vais terminer sur une parole que je voulais dire, j'en profite. En 5 minutes, qui me paraît très importante. Naam. C'est, comme j'ai dit dans le groupe, faire très attention à l'adoration des tujjar. Ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme un commerçant. Je fais ça pour avoir telle récompense, je fais ça pour avoir telle récompense, je fais ça pour avoir telle récompense. Bien sûr, il y a des fadha'il a'mal, les gens du khuruj, ils connaissent ça. D'accord ? Que quand on fait une action, quand on connaît la récompense, eh bien, on va le faire avec plus de conviction. Mais le niveau à atteindre, c'est que nous, on adore Allah Azzawajal par pure servitude. Ce n'est pas seulement si tu fais telle chose, tu auras telle chose, si tu fais telle chose, tu auras telle chose. Mais qu'on adore Allah Azzawajal par pure servitude. Et qu'on soit des serviteurs du mun'im et non pas des serviteurs des ni'am. Vous comprenez? Être le serviteur du mun'im et non pas être serviteur des ni'am. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, il adore Allah et souvent on entend ça et nous, on a beaucoup eu cette mentalité de dire que, mashallah, si tu fais Qiyam Layl, si tu fais la prière du Fajr, Allah va te faciliter ta subsistance. Allah il va te donner une femme pieuse, etc., etc. Mais est-ce que toi, quand tu adores Allah, azawajal, c'est pour avoir une femme pieuse? Et si tu n'as pas de femme pieuse? Et si tu n'as pas de subsistance? Et si tu n'as pas la santé? Est-ce que tu vas arrêter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est une condition que toi, tu adores Allah azawajal, à condition que tu aies la santé? Il faudrait que tu aies la santé, il faudrait que tu te... Même le fait que tu te sentes bien, il faut que tu aies la santé morale. Si tu n'as pas la santé morale, tu ne te sens pas bien, tu es toujours dans le palat, etc. Tu dis que ce n'est pas normal. Je lis le Coran, j'adore Allah Azzawajal, mais j'ai toujours des problèmes psychologiques. J'ai toujours des... Ben, tout ça, ce sont des épreuves. Et nous, on doit accepter. Parce qu'un soufi, c'est quelqu'un, la première chose, il accepte ce que Allah il fait avec servitude. Et il adore Allah et il obéit à Allah dans toutes les situations, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Ça, c'est très important. Parce que si on réfléchit comme ça, beaucoup de gens, des fois, ils délaissent le dîn, la religiosité, quand ils ne voient pas que certains résultats de leur adoration. Alors, il faut faire très attention à ça. D'accord. Certes, Allah il nous dit, nous sommes des esclaves et non des employés. Allahu Akbar. Les employés peuvent attendre un salaire, mais pas l'esclave. Allahu Akbar. Toi, tu es très pertinent. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai. Je crois que j'en avais déjà parlé une fois, j'avais dit ça. Un esclave, tu veux quoi? Tu travailles chez tout. Tu es le boy, le mkoum. Tu vois? Il n'y a pas de droit pour toi. Si je te donne, alhamdulillah, dis alhamdulillah. Si je ne te donne pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de droit de l'homme, pas le droit du travail, il n'y a rien. Tu es juste un serviteur.
Mais un employé, c'est les syndicats, etc. Il n'y a pas de syndicat, frère. D'accord? Mais ça, c'est un sens qu'il faut comprendre là. Ça, c'est très important là, parce que je suis très, très, très gêné, surtout dans les périodes comme ça, de Ashura, là, c'était quand j'étais revenu en France, là, c'était l'époque de quoi? Il y avait quoi? Oui, le RID, on te dit, voilà, tu fais ça, tu auras ça, tu fais. Là, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. Il faut, dans le discours de ceux qui se font les khutbah Jumara, qui font des rappels, qui gardent ça bien en tête. Que même quand ils disent des récompenses, il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas tout de suite parler que des récompenses. Il faut parler qu'on est des serviteurs d'Allah. On adore Allah parce qu'il nous l'a demandé. On a été créé pour ça. Et rien que le fait d'avoir l'honneur de pouvoir se prosterner devant lui, de pouvoir faire des recours, d'avoir l'honneur de pouvoir dire Subhanallah, Walhamdulillah, Wallah ilaha illallah, Allahu Akbar. Le fait de pouvoir prononcer ces paroles, yakfi. Ça suffit comme honneur et comme fierté de pouvoir être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir jeûner aujourd'hui par exemple. Allah nous a permis de jeûner, Alhamdulillah. C'est ça qui doit être notre objectif. Allah nous a permis de jeûner ce jour-là, Alhamdulillah. Après, est-ce qu'on va gagner quelque chose ou on ne va pas gagner? Bien sûr, nous, on est pauvres. Attention, il faut bien comprendre ce que je dis. Allah aime voir notre pauvreté. Allah, il aime qu'on montre notre pauvreté. Ya Allah, voilà. Si maintenant tu me fais tomber malade, Allah, moi je ne vais pas supporter, je ne vais pas être bien. Ya Allah, j'ai besoin de la santé. Ya Allah, si tu me mets dans la pauvreté, moi ça ne va pas aller. Moi j'ai besoin de la richesse, Ya Allah. On demande, on doit demander. Mais ce que Allah il donne, on doit être satisfait. Parce que toi, tu demandes la richesse, mais peut-être que la richesse, ce n'est pas bon pour toi. Mais tu demandes, tu veux l'argent, Ya Allah, je veux l'argent. Tu dis, Ya Allah, je veux. Mais si Allah ne te donne pas, quand tu es malade, tu veux la santé, bien sûr. Mais peut-être que si tu as la santé, tu vas t'enorgueillir devant les serviteurs d'Allah, tu vas faire plus de péchés. Et peut-être qu'avec la maladie, Allah te permet de savoir que, attention, sois modeste. Il y a peut-être un bien caché derrière cette maladie-là. Il y a du bien caché derrière ça. La preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et justement là, et ça, c'est une belle conclusion. Comme ça, je vous laisse. Une belle conclusion, c'est, comme les savants le disent, hein, c'est moi je dis rien de ma tête. C'est un exercice que Allah azzawajal a donné au prophète alayhi salatu wassalam et aux musulmans pour s'entraîner au majaz. Je m'explique. Pour montrer, pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour montrer que le malade, il y a un grand bien derrière tout ça. Là, maintenant, on peut parler des récompenses. Mais pour comprendre que Allah aime, quand on est faible, en fait, c'est une situation où, en vérité, on est proche d'Allah. L'aide d'Allah, elle est avec les faibles. Même les handicapés, par exemple. On les voit comme ça, les pauvres. Ils ont handicapé mental, handicapé physique, etc. Mais il faut savoir que ceux qui s'occupent des handicapés, ils ont une grande, grande, grande baraka sur eux. Une grande baraka. Il y a une grande bénédiction dans la maison quand il y a un handicapé. On ne souhaite pas ça. Ya Allah, moi, je ne veux pas supporter d'avoir un enfant handicapé. Ya Allah, moi, je ne veux pas. Mais s'il y a, il faut savoir que Allah, Azzawajal, il donne toujours du bien dans ça. D'accord? Donc, écoutez comment le hadith que vous connaissez tous. Au jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux gens, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Ya Allah, toi qui es le Seigneur de l'univers, comment tu pouvais être malade jusqu'à ce que je vais aller te visiter? Et Allah répond, mon serviteur un tel était malade. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Vous avez vu? Là, en fait, Allah m'a permis de faire la meilleure conclusion. C'est-à-dire que quand il y a un sens qui ne convient pas dans un texte, eh ben, on doit l'interpréter. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. C'est impossible. Mais ce n'est pas un mensonge. Mais c'est une parole, c'est une mubalara pour montrer, pour montrer encore plus l'importance de la chose. Parce que si tu dis seulement, si tu visites un malade, tu auras plein de récompenses. Oui, tu as dit la même chose. Mais dire de cette manière, c'est une autre manière encore plus éloquente de le dire. Et Allah a dit, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Et si tu avais visité ce malade, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Mais est-ce que tu vas trouver Allah Azzawajal auprès de ce malade? Non. Mais tu trouves la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges qui sont avec toi. Non.
J'ai avait faim, tu ne m'as pas donné à manger. Ya Allah, comment je peux te donner à manger? Si tu avais donné à manger à ce serviteur, je me retrouverais auprès de lui. Donc là, ça permet de savoir que quand il y a un texte qui ne convient pas, on doit l'interpréter d'une manière qui convient. Et tout ça pour dire que dans la maladie, on ne le souhaite pas, bien sûr, on ne demande pas à Allah la maladie, non. On demande l'afia. Mais la maladie est une épreuve tout autant que la santé est une épreuve. Ne pas avoir des enfants, c'est une épreuve. Avoir des enfants, c'est une épreuve. Ne pas avoir de femme, c'est une épreuve. Avoir une femme, c'est une épreuve. Tout est une épreuve. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. L'être humain, lorsque nous l'éprouvons et que nous lui donnons des bienfaits, il dit, ah, Allah m'a honoré. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Mais lorsque Allah l'éprouve, également, et qui lui réduit sa subsistance, l'être humain dit, mon Seigneur m'a avili. Kalla, tout ça c'est fou. Ni l'un ni l'autre. Ni il t'a honoré parce qu'il t'a donné des biens, ni il t'a avili quand il t'a privé de biens. Kalla, bal la tukrimuna al-yatim, wa la tahadduna ala ta'amil miskin, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Allah nous dit maintenant le haq. La vérité, c'est que quand tu as de l'argent, vous n'honorez pas l'orphelin. Et ne vous encouragez pas à nourrir les pauvres. C'est sur ça qu'on doit faire shura entre nous. La mashura, c'est pourquoi? C'est pour nourrir les pauvres. Ça veut dire quoi nourrir les pauvres? Sans rentrer dans des majaz tirés par les cheveux. Nourrir les pauvres qui n'ont pas à manger, et nourrir les pauvres aussi qui n'ont pas de dîme. Toi qui as de dîme, tu fais mashoura, on se concerte, comment on va aller donner le dîme aux gens? Ce n'est pas tiré par les cheveux ce que je dis. D'accord? Comme quand Allah dit, « وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. » Celui qui sort de sa maison en émigrant vers Allah et son messager, « فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. » Sa récompense, un combat, Allah. Et si la récompense est un combat, Allah, Allahu Akbar. Là, on peut parler de récompense. Mais ici, celui qui sort de sa maison en émigrant vers Allah et son messager. Mais les soufis, ils disent, ok, on parle de celui qui sort de sa maison, qui sort de son pays, mais aussi celui qui sort de sa maison, de ses habitudes, de ses mauvaises habitudes. Est-ce que le hijra, c'est seulement de partir d'un pays à un autre? Ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le hijra, man hajara ma naha Allahu anhu. Celui qui immigre, l'immigrant, c'est celui qui immigre vers et qui délaisse ce que Allah azzawajal a interdit. Non. Donc, je disais quoi? Vous aimez l'argent d'un amour sans borne. Et ensuite, Allah nous dit, toujours, Allah nous dit, il nous parle du jour du jugement dernier pour qu'on se réveille. Lorsque la terre va trembler. Et que ton Seigneur va venir. Wallah, il n'y a que ça du majaz dans le Coran. Mais pour que ce soit encore plus d'effet, pour qu'il y ait plus d'effet dans notre cœur. Et que ton Seigneur viendra. Même l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a interprété ce verset. Il a dit, ce n'est pas le sens véritable, ce n'est pas possible. Elle m'a dit, le mot venir, se déplacer d'un point A au point B, c'est impossible pour par rapport au Créateur. Venir, de se déplacer d'un point A à un point B, c'est les créatures qui le font. Donc, comment on doit comprendre Waja'a Rabbuk? Mais le fait de dire que Allah va venir, c'est plus éloquent et ça fait plus peur que de dire l'ordre d'Allah va venir. Mais Imam Ahmed dit Ja'a Amru Rabbik. Vous voyez?
Tout ça pour dire que ce qu'on est en train d'étudier, on en a besoin, même pour comprendre vraiment les textes, pour comprendre la religion et rentrer bien dans la profondeur. Donc cette fois-ci, je vous laisse. Allahumma salli ala afdali makhlouqatin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adadu ma'loumatin wa adada makhlouqatin kullama dhakaraka dhakiroun wa ghafala an dhikrihi al-ghafiloun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun wa salamun al-mursaleen wa alhamdulillahi alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.